Joseph Thomas Sheridan Le Fanu, 1814-1873, est un écrivain irlandais, l'un des auteurs majeurs du récit fantastique. Il a publié d'innombrables articles, des récits historiques, une quinzaine de romans, dont un thriller gothique, L'Oncle Silas en 1864, et surtout une quarantaine de nouvelles pour la plupart fantastiques. On notera dans sa production Carmilla, paru en 1872 dans le recueil In Glass Darkly, l'une des œuvres fondatrices de la littérature autour du mythe du vampire. Alors qu'il était en train de rédiger son ultime manuscrit, au titre prémonitoire Willing to Die, prêt à mourir, Joseph Sheridan Le Fanu mourut à Merrion Square, en plein cœur de Dublin. Bonjour. L'abîme qui sépare un auteur de son œuvre, écrit Jacques Finet, est souvent d'une profondeur vertigineuse. Rabelais ne présente pas grand-chose de commun avec ses créations gigantesques. Sade n'a pas accompli 1% des aberrations sexuelles qu'il décrit dans ses romans. De même, entre Joseph Sheridan Le Fanu et certaines parties de son œuvre, la contradiction est flagrante. La question est simple. Pourquoi un homme indéniablement religieux a-t-il pu aborder si souvent le thème du défi à Dieu, voire de la tentation athée? Comment est-il si bien parvenu à créer tant de personnages qui bafouent ouvertement la religion en passant un pacte avec le diable ou au contraire embrassent un scepticisme bien éloigné de toute croyance? Je vous invite à écouter aujourd'hui La vision de Tom Chouf, une nouvelle de Joseph Sheridan Le Fanu. À la lisière de la mélancolique Castlemore, au nord de l'Angleterre, au centre d'une demi-douzaine d'antiques peupliers blanchâtres, aux troncs raboteux, dont l'un s'était fendu exactement en son milieu, lors d'un terrible orage, voici quelque 30 ans, mais qui, tous, par leur haute taille et l'abondance de leur frondaison, condamnaient la végétation à leur proximité immédiate, une petite maison basse paraissait s'accroupir. Elle se composait d'une cuisine où s'ouvrait une cheminée, d'une chambre à coucher au rez-de-chaussée et, directement sous le toit en bardeaux, d'un vaste grenier divisé en deux pièces auquel on accédait par une échelle extérieure. Le propriétaire de cette chaumière, Tom Chouf, n'avait pas bonne réputation. C'était un homme toujours ébouriffé, large d'épaules, fort comme un bœuf en dépit de sa taille plutôt petite, bas de front et l'œil éternellement morose. Il passait son temps à braconner et ne faisait même pas semblant, bien au contraire, de gagner son pain par quelques moyens honnêtes. Buveur invétéré, il battait sa femme dès qu'il rentrait et imposait à ses enfants une vie d'épouvante et de lamentation. La famille recevait donc comme une bénédiction les longues absences de cet ivrogne qui, parfois, ne se montrait pas pendant une semaine, voire davantage. Une nuit, vers 8 heures, il ébranla sa porte à grands coups du gourdin qu'il transportait toujours avec lui. C'était l'hiver, et la nuit était d'un noir d'encre. Si ça avait été un fantôme du marais qui s'était manifesté de la sorte, les habitants de la maison ne les auraient pas entendus avec plus de terreur. La femme, à qui la peur donnait des ailes, se hâta de retirer la barre qui fermait la porte. Sa sœur, une bossue,
se tenait tapis près du foyer et regardait l'endroit où allait apparaître leur tourmenteur. Derrière elle, les enfants se faisaient tout petits. Tom Tchouf entra, gourdin au poing. Sans un mot, il se laissa tomber sur une chaise devant le feu. Comme il revenait après 2 ou 3 jours d'absence, il paraissait hagard et ses yeux étaient injectés de sang. Tous comprenaient qu'il avait trop bu. De son gourdin, Tom gratta et frappa le feu de tourbe, puis approcha ses pieds de la flamme. Il désigna le buffet avant de hocher la tête en direction de sa femme qui comprit qu'elle devait lui apporter un gobelet. Elle lui donna sans un mot. Il sortit un flacon de gin de la poche de son pantalon, remplit le récipient jusqu'à ras-bord et engloutit la ration en quelques gorgées. D'ordinaire, il vidait 2 ou 3 rasades de ce genre, après quoi il se plaisait à rosser les habitants de la maison. Les 3 petits-enfants le regardaient de dessous la table comme, sans doute, le petit pousset devait observer l'ogre dévorant son dîner. Nell, sa femme, prudemment protégée derrière une chaise, qu'elle était d'ailleurs prête à lever pour intercepter le gobelet que son mari ne manquerait pas de lui jeter à la tête, ne quittait pas l'ivrogne des yeux, alors que la bossue, Mary, paraissait une vision fantastique, avec le blanc de ses yeux qui brillait au milieu de la porte de l'armoire sombre en chêne, sur le bois duquel se fondait son visage basané et sa silhouette sombre. Tom Tchouf en était à son 3e gobelet, et son silence obstiné n'était pas fait pour apaiser l'angoisse de la maisonnée. Soudain, comme frappé par une décharge électrique, il s'affaissa sur le dossier de son siège et le gourdin lui échappa des mains. Une pâleur de mort envahit son visage. Pendant de longues secondes, toute la maisonnée resta pétrifiée. Telle était sa peur que nul n'osait parler ni bouger. Après tout, ne s'agissait-il pas d'un assoupissement de ce pervers qui, arraché brusquement de son sommeil, pourrait se venger à grands coups de gourdin? Au bout de quelques minutes, pourtant, la situation parut si étrange que tous osèrent échanger des regards où se lisaient à la fois le doute et la surprise. Il s'appuyait tellement sur le dos de sa chaise qu'il l'aurait brisée en 1000 miettes si elle n'avait pas été un meuble massif comme on en fabriquait autrefois. Son visage prenait à présent une couleur de plomb, et tous commencèrent sérieusement à s'inquiéter. En fin de compte, bravant sa propre peur, l'épouse l'appela d'une voix timide, puis de plus en plus forte, jusqu'à hurler comme une hystérique. « Il va mourir ! Il va mourir !» criait-elle. D'autant mieux qu'elle s'apercevait que, pas plus que ses pressions, que ses tapes sur l'épaule, n'arrivaient à arracher son mari de son étrange torpeur. Frappés à présent par une terreur toute nouvelle, les enfants ajoutaient leurs pépiments aigus aux cris et aux sanglots des 2 femmes. Si jamais quelque chose eût pu tirer Tom Tchouf de sa léthargie, c'était bien ce tohu-bohu perçant qui résonnait dans toutes les pièces de la maison. Mais Tom ne bougeait toujours pas. Il restait sourd, indifférent,
L'épouse envoya Mary au village, à un quart de mille au nord, afin de demander au docteur, dans la famille de laquelle elle travaillait comme blanchisseuse, de venir sur l'heure examiner ce malade de toute évidence en train de mourir. Le docteur, qui respectait encore son métier, se précipita, entra dans la maison et, sans même avoir ôté son chapeau, examina Tom. Quand il découvrit que l'émétique qu'il avait emporté après avoir écouté le compte-rendu de Mary n'exerçait aucun effet et qu'un coup de bistouri ne faisait pas jaillir la plus petite goutte de sang, quand il sentit, enfin, que le pouls ne battait plus, il secoua la tête, impuissant, et pensa ce qu'il aurait aimé formuler à haute voix. « Pourquoi diable cette femme pleure-t-elle ? Aurait-elle pu souhaiter plus grande bénédiction pour elle et pour ses enfants que cette mort brutale ?» De fait, Tom semblait bel et bien mort. Aucun soupir ne s'échappait de ses lèvres. Ses mains et ses pieds étaient glacés et déjà tout le corps refroidissait, se raidissait. Après 20 minutes d'efforts inutiles, le médecin avait déjà renfilé son manteau et avoué à Mrs. Chuff qu'il n'avait plus aucune raison de s'attarder, quand soudain, à la surprise générale, un petit flot de sang se mit à couler du coup de bistouri donné près de la tempe. « Étrange, » murmura le praticien. « Attendons encore un peu. » Nous profiterons donc de ce temps d'attente pour décrire ce que venait de subir Tom Chuff. Les coudes sur les genoux, le menton sur les poings, il regardait les braises, son gobelet de gin à côté de lui quand, soudain, il fut pris de vertige. Le feu disparut de son champ de vision et le fracas d'une cloche d'église lui résonna dans le crâne. Au son de la cloche succéda un bourdonnement confus. Sa tête lui parut soudain une masse de plomb qui l'attirait en arrière. Il se sentit tomber sur le dossier de sa chaise et il perdit connaissance. Quand il revint à lui, il se sentit glacé. Il s'appuyait contre le tronc d'un arbre dénudé. C'était une nuit sans lune, mais quand il leva les yeux, il se dit que jamais il n'avait contemplé d'étoiles aussi gigantesques et aussi brillantes, ni un ciel aussi noir et aussi épais. Les étoiles, d'ailleurs, semblaient scintiller par à-coup entre de longues périodes d'obscurité à l'issue desquelles elles paraissaient exploser avec une sauvagerie qui n'était pas sans évoquer une colère et une menace silencieuse. Il se souvenait vaguement être arrivé en ces lieux où, plus précisément, avoir été transporté sans grand confort sur les épaules d'un homme. Mais tout était confus, à peine le souvenir imparfait d'une sensation. En chemin, en tout cas, il n'avait rien vu. Rien entendu. Il regarda autour de lui, ne découvrit aucune créature vivante à proximité. Avec un malaise croissant, il commença à reconnaître l'endroit. L'arbre contre lequel il s'appuyait était un de ces nobles êtres qui saignent, à intervalles réguliers, le cimetière de Shackleton. Celui-ci
s'étend, vert et onduleux, à la lisière de Castlemore, de l'autre côté de l'endroit où se dressait l'humble fermette dans laquelle il venait de perdre conscience. Un peu plus de 6 000 de landes le séparaient de son habitation et, devant lui, une vaste étendue noire, lugubre, se perdait dans les ténèbres. Chaque fois qu'il se forçait à regarder devant lui, ciel et terre fusionnaient en un menaçant infini de basalte. Un silence inhabituel planait sur les ombres. Les feuilles ne frémissaient pas. Il savait qu'une petite rivière coulait non loin de là, mais il ne l'entendait pas. L'air, la terre, tout ce qui l'entourait était incroyablement calme, et il connaissait trop bien ce battement de cœur qui présageait l'approche de quelque horreur. Il se serait volontiers mis en route pour regagner sa maisonnette de l'autre côté de la lande s'il n'avait subi le pressentiment qu'une menace indéfinissable l'attendait. La vieille église grise et la tour de Shackleton se profilaient comme des ombres sur l'horizon d'ombre. Ses yeux s'étaient accoutumés à l'obscurité, de sorte qu'il pouvait à présent deviner les éléments du décor où il était plongé. À vrai dire, il n'en extrayait aucun réconfort, rien que menaces et mauvais pressentiments. À cet endroit même était liée sa première éducation de hors-la-loi. C'était ici, en effet, que son père avait pour habitude de rencontrer deux braconniers. Ils emmenaient son fils dans ce genre d'expédition. Sous le porche de l'église, vers le matin, ils avaient l'habitude de partager le gibier qu'ils avaient attrapé le jour précédent, de compter les ventes réalisées, de diviser l'argent en 3 parties et de siroter leur gin. C'était là, en pareille compagnie, qu'il avait pris ses premières leçons d'ivrognerie, de blasphèmes et d'illégalité. Le tombeau de son père se trouvait à quelques mètres de l'endroit où il attendait à présent. Cette constatation ne le rassurait pas. Au reste, dans son état présent d'accablement sans fin, aucun décor terrestre n'eût pu l'aider à dissiper ses terreurs. Un autre élément ajoutait à son malaise. À moins d'un mètre de lui, sur la gauche, sous les branches de l'arbre, un tombeau tout frais s'ouvrait, terre et glaise entassées le long d'un des côtés. Au pied de ce tombeau se trouvait le hêtre, comme un pilier monumental. Il connaissait le moindre détail de celui-ci, de son écorce lisse. Il savait qu'elle portait l'initiale de son propre nom, gravée voici de longues années, et que cette initiale s'était déformée à mesure que l'arbre croissait, s'était tordue jusqu'à former la lettre grotesque d'un graveur dément. À présent, cette lettre ridicule regardait le tombeau ouvert et paraissait répondre à la question « Pour qui est ce tombeau ?» Il se sentait toujours étourdi, et un léger tremblement de tous ses membres le poussait à se mouvoir. D'un autre côté, il souffrait d'une vague appréhension, croyant que, quelque direction qu'il prît, un danger l'attendait, 1000 fois pire que celui qui planait au-dessus de lui pour l'instant. Soudain, les étoiles se mirent à scintiller plus sauvagement. Une lueur pâle et diffuse se répandit pendant une minute sur le paysage lugubre, et il vit s'approcher, comme vomie par le marais obscur, une silhouette trottinante et bondissant à droite et à gauche
sans raison apparente, comme le font les gens qui connaissent parfaitement un certain endroit et qui cherchent à éviter les flaques de boue et de fange. Cette silhouette évoquait celle de son père et, comme lui, voilà qu'elle se met à siffler entre ses doigts. De toute évidence, il s'agissait d'un signal pour annoncer son approche. Pourtant, le sifflement ne résonnait pas, n'avait rien d'aigu ni de perçant, comme dans les temps anciens. Il semblait lointain, immensément lointain, et vrilla doucement le crâne de Tom. Habitude ou peur, il répondit au signal et siffla comme il en avait l'habitude, voici plus de 25 ans, bien qu'il sentît un terrible sentiment d'angoisse l'envahir. Comme dans les années de jeunesse, la silhouette qui rappelait son père s'approcha et leva le sac qu'il tenait de la main gauche. Il avait alors l'habitude de crier, de loin, la nature de son contenu. Imaginez donc le malaise du personnage adossé à l'arbre quand un cri, étrangement étouffé, lui parvint aux oreilles, que la silhouette étrange fit tourner son sac dans tous les sens et que, malgré les sons assourdis, il put entendre distinctement « L'âme de Tom Tchouf !» À quelques 5 mètres du mur bas qui saignait le cimetière devant lequel se tenait Tom, un grand trou s'ouvrait dans la tourbe, d'où poussait une touffe de roseaux et de joncs parmi lesquels la silhouette se réfugia, comme le père le faisait jadis, en cas de danger soudain. De ce massif jaillit, une seconde plus tard, ce qu'il prit d'abord à tort pour la même silhouette filant à 4 pattes, mais qui se révéla bien vite un gigantesque chien noir au pelage hérissé comme celui d'un loup. Il renifla d'abord un peu partout, puis s'avança vers Tom d'une allure tranquille, bondissant de ci, de là. Pourtant, à mesure que l'animal approcha, Tom remarqua une paire d'yeux terribles qui brillaient comme des charbons ardents et entendit un terrible grondement jaillir de ses monstrueuses mâchoires grandes ouvertes. La bête semblait sur le point d'attaquer. Pris de panique, Tom recula de quelques pas et chuta dans le tombeau. Il s'attendait à toucher le fond une seconde après, mais tel ne fut pas le cas. On eût juré qu'il tombait dans des abysses infinis. Plus bas, encore plus bas, à une vitesse incroyable et qui augmentait toujours à travers des ténèbres profondes, les cheveux collés par la sueur, le souffle coupé, aux prises avec un horrible vent coulis dont la violence lui mit les bras en croix. Seconde après seconde, minute après minute, il tombait, une sueur d'horreur humidifiant son corps. Et soudain, alors qu'il s'attendait à être désintégré, sa chute s'interrompit par un immense choc qui, pourtant, ne lui fit pas perdre conscience. Il regarda autour de lui. L'endroit où il venait de tomber ressemblait à une caverne souillée de fumée ou une catacombe dont le sommet se perdait dans les ténèbres, si l'on excepte quelques arches nervées à peine visibles. De quelques passages semblables à des galeries de mines et qui paraissaient partir de ce sinistre endroit, une faible lueur jaillissait, comme celle qui émane des ultimes cendres d'une bûche. C'était la seule lumière qui lui permit de discerner le décor qui l'entourait. Ce qui paraissait une proéminence rocheuse
à l'angle d'une de ses entrées fuligineuses, se mit soudain à bouger et révéla une silhouette humaine qui lui faisait signe d'approcher. Il obtempéra et découvrit son père, encore qu'il lui fallut un gros effort pour le reconnaître, tant il avait monstrueusement changé. « Je t'attendais, Tom. Bienvenue chez nous, mon gars. Viens vite à ta place. » Le cœur de Tom se serra quand il entendit ces paroles énoncées d'une voix terriblement sonore et en laquelle il décelait un horrible sarcasme. Il ne put pourtant s'empêcher de suivre l'affreuse silhouette qui le mena en un lieu d'où il entendit, comme jaillit de la roche, des cris d'agonie et des appels à la pitié. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Tom. « T'occupe pas. Qui est-ce ? » « Des nouveaux venus, comme toi, mon gars, » répondit le père avec nonchalance. « Un jour ou l'autre, ils cesseront de brailler quand ils auront compris que ça ne sert à rien. »« Et moi ? Mais que vais-je faire ?» cria Tom d'une voix épouvantée. « Bah, la même chose. »« Mais que vais-je faire ?» répéta Tom qui tremblait de tous ses membres et dont les nerfs étaient tendus à craquer. « Grincer des dents ?» Et supporter, je suppose. Pour l'amour de Dieu, si jamais tu t'es soucié de moi, ton propre enfant, fais-moi sortir d'ici. Mais il n'y a pas de sortie. Si, j'ai pu entrer. Je dois pouvoir sortir et pour l'amour du ciel, fais-moi sortir. Mais le sinistre compagnon n'ajouta pas un mot. Au contraire, se glissant derrière lui, il le laissa seul devant d'autres silhouettes qui venaient d'apparaître. Un léger halo rouge les entourait, et elles le regardaient avec des yeux effroyables, image de l'éternelle colère ou de l'éternel sarcasme, malgré leurs variétés infinies. Il lui semblait qu'il allait perdre l'esprit sous les regards de tant d'yeux pleins de haine, toujours plus nombreux, toujours plus proches. En même temps, des milliers de voix commencèrent à l'appeler par son nom, certaines lointaines, certaines toutes proches, certaines à droite, certaines à gauche, certaines lui hurlaient dans l'oreille, d'autres résonnaient dans son cerveau. Les cris s'accroissaient, en rapidité et en nombre, se mêlaient de rires, de blasphèmes fugitifs, d'insultes interrompues, de moqueries si nombreuses et si concomitantes qu'il pouvait à peine en comprendre la moitié. Plus augmentait la rapidité et la violence de ces manifestations, plus la terreur lui assaillait l'esprit, à tel point qu'il finit par perdre conscience dans un terrible cri d'agonie. Quand il revint à lui, il se retrouva dans une petite pièce froide, voûtée, que fermait une lourde porte. Une seule petite lampe, dans le mur, répandait une lueur étrangement brillante. Assis, en face de lui, se tenait un vieillard que rendait vénérable une interminable barbe de neige, l'image même de la pureté et de la sévérité. Il était vêtu d'une longue robe de toile grossière, et trois clés pendaient à sa ceinture. Il aurait pu jouer le rôle d'un ancien portier de ces villes imaginaires, que c'est plus à décrire John Bunyan.
Les yeux de l'homme brillaient avec un terrible éclat, et quand il aperçut que les regards le fixaient, Tom Tchouf se sentit entièrement en son pouvoir. Ce fut le vieillard qui parla. On m'a intimé, Lord, de vous laisser sortir et de vous accorder une chance supplémentaire. Toutefois, si l'on vous reprend à boire avec des ivrognes et à battre votre famille, vous reviendrez où vous êtes entré et, cette fois, ce sera pour de bon. Sur ce, le vieillard saisit Tom Tchouf par le poignet et lui fit franchir la porte. Ensuite, ouvrant celle qui fait communiquer la caverne et l'extérieur, il le poussa par l'épaule et referma bruyamment derrière lui. Le terrible son retentit comme un grondement de rage, une fois proche, une fois lointain, autour et au-dessus de lui, jusqu'à ce qu'enfin, il s'apaisa lentement pour se transformer en silence hostile. Il faisait un noir d'encre, mais un souffle d'air frais, presque froid, le faisait trembler. Il comprit qu'il avait regagné le monde quotidien. Au bout de quelques minutes, il commença à reconnaître des voix autour de lui et une faible lueur creva enfin les ténèbres. Petit à petit, il parvint à discerner la flamme d'une chandelle, puis les visages familiers de sa femme et de ses enfants. Il les entendit clairement quand ils lui parlèrent, mais il était toujours incapable de répondre. Il découvrit aussi le médecin, isolé dans le noir, et l'entendit déclarer « Eh bien, leur voici, je pense qu'il s'en tirera maintenant !» Dès qu'il put prendre la parole et quand il eut remarqué le sang qui rougissait son cou et sa chemise, il murmura « Femme, je te demande pardon. J'ai changé. Fais venir le bon gars. » La dernière expression désignait le pasteur. Dès qu'il eut pénétré dans la petite pièce où Tom Tchouf gisait sur son lit, toujours épouvanté à la pensée de cette âme qui avait failli le quitter à tout jamais, le pêcheur fit signe aux autres de sortir et, porte close, se confessa à la stupéfaction de l'homme d'église qui ne savait pas s'il devait davantage s'étonner des sinistres aventures de son paroissien, de ses promesses d'amélioration ou des supplications pour obtenir aide et conseil. Pendant tout un temps, fréquentes furent les visites de l'ecclésiastique. Un jour, alors qu'il serrait la main de Tom pour lui souhaiter bonsoir, le convalescent la garda dans la sienne et murmura « Vous êtes le pasteur Shackleton, monsieur, et si j'ose le demander, vous allez me promettre des trucs comme moi je vous en ai promis aussi. J'ai bien dit que je collerai plus jamais de trempe à personne, que je partirai plus loin de la bourgeoise, que je tendrai plus de collet et que je lèverai plus le coude comme avant. Non, honnêtement, il va gagner sa vie, le Tom, vous verrez. Mais vous, vous êtes comme je l'ai dit, le pasteur Shackleton, et comme vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne me laisserez pas être enterré à moins de 20 yards de ce vieux être que j'ai vu dans mon rêve, vous savez, un de ceux qu'entoure le vieux cimetière Shackleton. Je comprends. Lorsque votre véritable temps sera venu, vous désireriez que l'on vous inhume à bonne distance de cet endroit où s'ouvrait la fosse dont vous avez rêvé. C'est bien ça. Dans un autre cimetière, ou même dans de la chaux vive, je préférerais. Juste pour être coupé de ma trouille. Mais voilà, tous les gars de la famille, ils sont enterrés ici, à Shackleton, et vous allez me donner votre parole que vous tiendrez votre promesse. Je le promets de tout cœur. Je ne crois pas que je vous survive, mais
si tel était le cas, et que je fusse encore responsable de cette paroisse, je vous ferais enterrer le plus près possible du centre de notre cimetière, selon la place disponible. C'est bon comme ça, c'est bon. » Et ils se séparèrent, heureux l'un de l'autre. L'effet que la vision de Tom entraîna sur son comportement fut stupéfiant et promettait de se révéler durable, voire définitif. Non sans effort, il troqua sa vie d'aventures ininterrompues contre une existence plus régulière, si moins glorieuse. Il abandonna la boisson et se montra aussi aimable qu'une nature essentiellement revêche pouvait le lui permettre. Par beau temps, il traversait le marais et se rendait à l'église de Shackleton. Le pasteur prétendait qu'il n'avait d'autre but que de regarder longuement le décor de sa vision afin de se fortifier dans sa nouvelle vie. Les craintes imposées à l'imagination ne durèrent jamais longtemps, et les bonnes résolutions d'un homme épouvanté ne ressemblent guère à des actes choisis en toute liberté. Chasser le naturel, il revient au galop. Lorsque les terreurs s'affadissent et que l'épouvante diminue à mesure que le souvenir s'estompe, la véritable nature de l'humain refait surface. C'est pourquoi, après une certaine période d'honorabilité, Tom Chouf se mit à arborer sa nouvelle vie si peu en harmonie avec sa véritable nature. Il retomba dans sa paresse naturelle. Les mauvaises langues commencèrent à murmurer qu'il attrapait des lièvres et que, sous le manteau, il avait repris ses activités de contrebandier. Une nuit de forte gelée, il rentra chez lui après avoir, à nouveau, forcé sur la bouteille, comme le prouvaient ses paroles pâteuses et ses manifestations de colère. Le lendemain, soit qu'il eût honte de sa conduite, soit que son ancienne peur eût repris le dessus, il se repentit et mendia son pardon. Pendant plus d'une semaine, la terreur de sa vision reprit le dessus et il revint à sa vie exemplaire. Mais dans la suite, et à des intervalles de plus en plus brefs, se succédèrent des scènes pénibles suivies de scènes de repentir tout aussi pénibles. Petit à petit, les anciennes habitudes s'imposèrent à nouveau. La paresse, l'ivrognerie, la violence, et celle-ci explosait avec d'autant plus de fureur que Tom se sentait à la fois alarmé et exaspéré par le souvenir de son avertissement qu'il méprisait mais craignait en même temps. Avec le retour à l'ancienne vie, la misère assaillit de nouveau la maisonnette. Les sourires qui avaient commencé à disparaître pendant la trop brève période d'accalmie disparurent à jamais. L'épouse infortunée retrouva sa pâleur maladive et son regard de chien battu. La demeure perdit son apparente propreté et sa joie de vivre pour reprendre son apparence de négligence et de mélancolie. Parfois, de nuit, un passant s'effrayait en entendant des cris et des sanglots qui s'harmonisait trop bien avec les sinistres environs. Tom ne dessoulait plus et, par bonheur, revenait rarement chez lui, sauf pour s'emparer des maigres sommes que sa femme réussissait à gagner en travaillant de ci, de là. Bien entendu, depuis longtemps, Tom n'avait plus rencontré son pasteur. Son nouveau destin s'accompagna d'une honte qui le poussait, chaque fois qu'il discernait la mince silhouette noire sur la route, à faire demi-tour et à éviter une rencontre qui l'eût sans doute humilié. De son côté, l'homme d'église hochait la tête d'un air navré
chaque fois que l'on évoquait le nom de Tchouf. Son horreur et ses regrets, il les exprimait pourtant bien davantage pour l'épouse que pour le pécheur impénitent, tant celle-ci lui semblait digne de pitié. Un jour, le beau-frère de Tom, Jack Everton, quitta Exclay pour rendre visite à sa sœur. Il était bien décidé à rosser Tom pour lui faire payer les mauvais traitements qu'il infligeait à sa famille et dont parlaient les villages voisins. Heureusement pour tout le monde, Tom venait de partir pour un de ses longs voyages et la pauvre Nelly fit l'impossible pour convaincre son frère de ne pas s'immiscer dans ses problèmes de ménage. Il se retira donc et rentra chez lui, maussade et marmonnant entre ses dents des paroles de vengeance. Quelques mois plus tard, Nelly Tchouf tomba malade. Elle souffrait depuis très longtemps, affirmaient les villageois, qui avaient compris la nature de son mal. À présent, la fin approchait. La mort frappa vite. Avant l'enterrement, le coroner ordonna une enquête, vu que le médecin avait émis l'hypothèse que, peut-être, un coup mal placé aurait pu hâter la fin de Nelly. Pourtant, les investigations n'aboutirent à rien de définitif. Tom Tchouf avait quitté son domicile 2 jours plus tôt et il n'était toujours pas revenu à la fin de la procédure. Jack Everton revint au village, mais cette fois pour assister aux obsèques de sa sœur. Plus que jamais, il ressentit une haine terrible pour le mari sadique qui, d'une manière ou d'une autre, avait hâté la mort d'une innocente. L'enquête s'était close un beau matin, négativement, sans que Tom fût revenu. Un des compagnons occasionnels de Tom, à moins que je ne doive écrire, un de ses complices, entra par hasard en scène à ce moment précis. Il avait laissé son compère à la lisière de Westmoreland et affirmait qu'il serait sans doute de retour le lendemain. Everton affecta de n'en rien croire. Il expliqua que Tom Tchouf extrayait peut-être une joie malsaine à la pensée de terminer sa mauvaise vie conjugale par un scandale, son absence à l'enterrement d'une femme négligée et maltraitée toute sa vie. Quoi qu'il en fût, Everton s'occupa personnellement des tristes préparatifs. Il avait donné l'ordre d'ouvrir un trou à côté de la tombe de leur mère, au cimetière de Checkleton, de l'autre côté de la lande. Désireux de souligner l'odieuse indifférence du mari, il ordonna d'accomplir la cérémonie le soir même. Son frère Dick l'avait accompagné. Tous deux, avec leur sœur, Mary, les enfants et quelques voisins formèrent l'humble cortège. Jake Everton annonça qu'il attendrait un peu derrière les autres. Ainsi, au cas où Tom Tchouf arriverait à temps, il pourrait lui expliquer la situation et le conduire à travers le marais. De fait, je dois le reconnaître, sa véritable intention était sans doute d'infliger au débouché la correction qu'il méritait depuis longtemps. De toute façon, en cas d'échec, il traverserait le marais et rejoindrait la cérémonie avec assez d'avance pour pouvoir, avant l'arrivée du convoi, échanger quelques mots avec le pasteur, le notaire, le fossoyeur, ses vieux amis en somme, car il était né lui-même dans la paroisse de Checkleton qui conservait tous ses anciens souvenirs. Tom Tchouf ne se montra pas cette nuit-là. D'humeur maussade, sans un shilling en poche, il rentrait chez lui. Dernier achat d'importance, sa bouteille de gin, à moitié vide déjà, sortait de sa poche revolver comme toujours. Son trajet de retour passait par Castinmoor, et le meilleur chemin pour la traverser, il le savait depuis longtemps, partait de l'église de Checkleton.
Il franchit d'abord, d'un bond, le petit mur qui entourait son cimetière, se faufila entre les tombes et les pierres, la plupart recouvertes d'herbes folles, et se dirigea vers le versant de l'église d'où il pourrait partir pour traverser le marais. La vieille église de Shackleton se dressait à sa droite, comme une ombre sombre profilée sur le ciel. La nuit était claire, malgré l'absence de la lune. Il eut bien vite atteint l'autre muret, en face, qui donne sur l'immense étendue formée par le marais de Castlemour. Désireux de se reposer quelques secondes, il s'appuya contre l'un de ces êtres vénérables et gigantesques qui poussait tout près du mur. Le tronc lui parut lisse et doux. Il se détendit. Avait-il déjà observé un ciel aussi noir et, au milieu de cette nuit d'encre, des étoiles qui scintillaient aussi fort? Un silence de crypte s'épaississait sur toute la scène, comme ces lourdes périodes de calme qui précèdent les plus terribles des tempêtes. Le marais, devant lui, se perdait dans les ténèbres. Un étrange frémissement s'empara de lui. Il se souvint. C'était le ciel, le silence, le décor de sa vision. Le même sentiment d'horreur et d'abomination. La même répugnance incompréhensible à quitter l'endroit où il se trouvait, et il aurait prié s'il avait encore osé. Son cœur, qui battait la chamade, avait besoin d'un remontant. Aussi s'empara-t-il de la bouteille qui émergeait de sa poche revolver. Ce faisant, il se détourna un peu vers la gauche et aperçut alors un petit monticule de terre qui bordait un tombeau fraîchement ouvert, au pied même de l'arbre sur lequel il s'appuyait. Il sembla qu'il se changeait en pierre. Son rêve devenait réalité et l'enveloppait comme un manteau de mort. Le plus petit détail le ramenait à ses visions et une horreur glacée le gela jusqu'au cœur. Un sifflement parcourut tout le marais, aigu, clair. Il vit une silhouette s'approcher de lui en trottinant et en zigzagant à gauche et à droite, comme une personne qui courait sur une surface irrégulière où il est nécessaire de surveiller ses pas. À travers les roseaux et les joncs, au loin, la silhouette s'avançait et, avec cette même impulsion incontrôlable qui l'avait poussé à agir dans son rêve, il répondit au sifflement de celui qui s'approchait. À ce bruit, le nouvel arrivant se dirigea tout droit vers lui, grimpa sur le petit mur d'enceinte et, dominant les environs, examina la surface du cimetière. « Qui a sifflé ? » demanda-t-il de son poste d'observation. « Moi ! » répondit Tom. « Et qui êtes-vous ? » « Tom Tchoff. Mais, par le ciel, qui êtes-vous ? Vous ?» répondit-il d'une voix agressive, destinée à masquer l'intensité de sa panique. « Tu vas le savoir, maudit !» cria l'étrange personnage en sautant de son muret. « Voilà longtemps que je te surveille de si loin. Voilà longtemps que j'attends cette seconde et maintenant, enfin, je t'ai trouvé. » Incapable de savoir comment réagir vis-à-vis de cette silhouette menaçante qui s'approchait, Tom Tchoff recula, trébucha, et tomba dans le tombeau fraîchement ouvert. Pendant qu'il tombait, il tenta de se raccrocher au bord de la fosse, mais en vain. Une heure plus tard, alors que les lumières éclairaient la cérémonie funéraire, on découvrit le corps de Tom Tchoff au fond de la fosse préparée pour sa femme. Il était tombé la tête la première et s'était brisé la nuque. Sa mort avait dû être instantanée.
C'était son beau-frère, bien entendu, qui avait franchi le marais et s'était approché de l'église de Chickleton, tout comme semblait l'avoir fait le père de Tom Chuff dans le rêve infernal. Heureusement pour Jack Everton, le fossoyeur et le notaire du village traversaient justement le cimetière pour se diriger vers la future tombe de Nelly Chuff au moment précis où Tom titubait et tombait dans la fosse, sans quoi on eut sans aucun doute accusé Jack de violence directe vis-à-vis de celui qu'il considérait comme l'assassin de sa sœur. Grâce au double témoignage, la mort fut classée comme accidentelle. L'aimable pasteur tint sa promesse, et le tombeau de Tom Chuff, au centre du cimetière, attire toujours les commentaires des vieux habitants du village. Cette consciencieuse conformité aux prières d'un homme qui, terrorisé, voulait choisir la place de sa sépulture, conférait une emphase horrible et moqueuse à l'étrange concours de circonstances par lequel le destin a pu déjouer toutes les précautions et fixer lui-même l'endroit précis de la mort d'un individu. Pendant des années, l'histoire se transmit de bouche à oreille, autour des foyers qui craquent dans les fermettes. Je crois qu'elle se transmet encore de nos jours, bien qu'elle comporte des éléments que certains rangeraient dans la superstition. Elle résonna longtemps aux oreilles d'un auditoire rude et simple, comme une menace effrayante et, nous l'espérons, pas tout à fait inutile. Je vous ai proposé La vision de Tom Chuff, une nouvelle de Joseph Sheridan Le Fanu, extraite de l'ouvrage intitulé Le mystérieux locataire et autres histoires d'esprit fort, traduite par Jacques Finet. Ce récit est daté de 1870, mais il s'agit d'une nouvelle version que l'auteur a fait paraître en 1838 sous le nom de The Drun Scott's Dream. Je vous souhaite une très bonne soirée, faites de beaux rêves et à bientôt dans la joie et la bonne humeur.